Tarascon sur Ariège. Petite ville perdue au fond des Pyrénées ariégeoises, elle ferait fuir n'importe quel citadin craignant de s'y ennuyer sérieusement. Méconnue de nombreux Français, ce petit département de 160 000 habitants et quelques ours abrite cette petite ville de 3 500 âmes, mais qui, depuis la préhistoire, ne cesse de faire parler d'elle. Après des années difficiles, elle est aujourd'hui accusée d'être devenue une des villes les plus dynamiques de France, voire d'Europe. Les chefs d'inculpation sont nombreux. Tarascon est accusée d'être une ville agréable, où il fait bon vivre. Une ville dynamique et animée toute l'année, une ville de commerce, de services, une ville accueillante, tolérante, quelle que soit l'origine culturelle, politique, religieuse des habitants, Tarascon est aussi accusée d'être idéalement placée au carrefour des vallées. Elle semble aujourd'hui agir comme un aimant. Si passos y demeuros. Si tu y passes, tu y demeures. Ce slogan est inscrit comme une mise en garde sur le blason de Tarascon. C'est une émission exceptionnelle que nous vous proposons aujourd'hui. Une enquête exclusive au cœur de la population pour comprendre pourquoi Tarascon-sur-Ariège est aujourd'hui mise en accusation. Une enquête exclusive signée Thomas de Sabar, Edwige de Mounègre et Laurent de Château-Lavotte. Tarascon est coupable. Coupable d'être une ville ouverte où toutes les populations cohabitent et vivent en harmonie. Oui, coupable. Coupable de son climat, coupable d'être une ville agréable où il fait bon vivre. Coupable aussi de m'avoir attiré à elle il y a 8 ans. Moi, je pensais être ici de passage. Et voilà que 8 ans après, je suis encore là, prisonnier de ces montagnes, au milieu de ces vallées. Oui, coupable. Coupable, affirmatif.
Pour être parti de Tarascon pendant une vingtaine d'années, j'avoue que tu t'en vas chercher bonheur, strass, paillettes, soleil, flonflon, cotillon, et puis tu reviens toujours à Tarascon. Oui, je plaide coupable. C'est une ville très animée et très dynamique. On y trouve au centre-ville tous les commerces et tous les services. De plus, on peut y stationner gratuitement et facilement. Oui, coupable. Oui, coupable. Voilà, moi quand je suis arrivée en France, j'avais l'âge de 10 ans, à Tarascon. Et alors, j'avais une copine, la famille Kinana, qui me disait que ça fait 14 ans qu'ils étaient déjà. Alors, je dis, moi ça m'étonnerait que je resterais 14 ans. Alors, et maintenant, ça fait 40 ans, aujourd'hui même, que je suis ici à Tarascon et j'adore Tarascon. Et vous avez raison, hein, on peut être accusé vraiment à 100%, puisque c'est ici que nous avons trouvé toutes les civilisations, commençant par les hommes préhistoriques, qui ont habité au bord de l'Ariège, au-dessous. Ensuite, nous sommes passés, pendant la période médiévale, le comte de Foix était co-seigneur de Tarascon et ça a continué jusqu'à l'époque de même avant avec Charlemagne qui est venu se battre contre les Sarrasins. Ensuite, à l'époque napoléonienne, les troupes sont passées aussi ici, et etc. etc. quoi. On n'arrête pas d'être accusé d'être une ville d'histoire. Oui, Tarascon est coupable. Coupable de octroyer à tous ses citoyens des commerces, des services, des infrastructures. Nous sommes situés près d'une grande métropole, près de la montagne, pas très loin de la mer. En fait, le soleil rayonne tous les jours à Tarascon. Ben, je suis entièrement d'accord avec cette accusation. Moi-même, je suis parti il y a quelques années pour travailler en dehors de Tarascon. Et puis, je suis revenu fonder une famille et vivre ma vie ici, car c'est une ville très, très agréable. Entièrement d'accord. Coupable, Tarascon. Coupable d'être bien situé sur un axe central. Je crois qu'on dit à la croisée des vallées. C'est ça ? Coupable, Tarascon. On y vit bien. Promenez-vous le matin ou le samedi et vous rencontrez toujours quelqu'un pour refaire le monde. Oui, coupable, Tarascon, c'est ma ville de naissance, vous savez, donc il fait toujours beau, quoi. Et en termes d'acceptation, quoi, c'est une ville qui accepte toutes les populations, quelle que soit leur origine, que ce soit politique, culturelle ou sociale. Et vous savez, moi, je fais mes études à Toulouse, donc en termes de comparaison, je peux comparer par rapport à la vie urbaine qui ne conviendrait, je pense, à personne, qui est du bon sens. Et puis voilà, quoi, je suis vraiment content de revenir ici tous les week-ends. C'est vraiment un plaisir qui revient à chaque fois, chaque semaine. Donc oui, Tarascon, c'est une ville où il fait bon vivre. Oui, bien sûr, coupable. Coupable de sa bonne humeur, coupable de son climat agréable, coupable de ses montagnes radieuses, de son soleil généreux, de sa douceur de vivre, coupable de ses habitants, merveilleux. Oui, coupable. Moi, je suis tarasconnais et je le suis de naissance et de cœur. Et c'est vrai que c'est une ville, c'est bien organisé, c'est bien agencé. Et ça me plaît de vivre ici, c'est mon pays, quoi. Bon, je suis allé voir ailleurs ce qui se passait. Mais je suis revenu ici et j'étais contente de revenir ici. Je suis réfugiée espagnole, tu sais. J'étais au Puy, dans la Haute-Loire. Puis mon papa nous a rappelé, il y avait la Croix-Rouge, on nous a retrouvés. Voilà. C'est vrai. Et puis j'ai travaillé ici, je me suis mariée, mes enfants se sont mariés, voilà. Je suis très heureuse, même le paysage est beau, le temps magnifique, on nous l'envie tellement que c'est bien. Je suis très contente d'être ici, mes enfants ils sont très contents et voilà, ils viennent souvent.
et ils se régalent. Quand ils sont en vacances, ils sont toujours à Tarascon. Archi coupable. Comment tu veux passer devant un bar comme ça, ne pas l'acheter, un des plus beaux du Sud-Ouest, dans une ville aussi dynamique, avec plein de commerces, plein d'animations. Tarascon nous propose toujours quelque chose. Il fait bon vivre, on est bien là, on est chez nous, quoi. On est nés ici, on est des enfants du pays. Puis, tu sais, moi, un jour, on m'a dit que Dieu est ariégeois, et je suis pas sûre qu'il soit pas né à Tarascon. Je suis entièrement d'accord. Tarascon est accusé à raison d'être une ville de service. Regardez autour de vous, une crèche flambant neuve, un personnel accueillant, une accessibilité pour les voitures et les piétons facilitée, une aire de jeu à l'extérieur flambant neuve et immense. Je pense que Tarascon risque d'être condamné à la peine maximale. Oui, Tarascon est coupable. Coupable parce que malgré la crise économique, les difficultés économiques que rencontre toute la France, les entreprises continuent à vouloir s'installer à Tarascon. On a la chance d'avoir un axe transfrontalier, la métropole toulousaine à côté, et donc ça génère un tourisme et une population locale et ariégeoise qui fréquente nos commerces. C'est pourquoi je me suis installée en Ariège à Tarascon, après une quinzaine d'années à Toulouse, et aujourd'hui je vends l'Ariège, un pays que j'aime énormément, et aussi Tarascon avec les produits que peuvent faire les artisans locaux. J'aime Tarascon, son dynamisme, c'est pour ça aussi que je me suis investie dans l'association des commerçants dont je suis la présidente, et on essaie avec le conseil, le bureau, de dynamiser au mieux à notre échelle la ville avec des animations comme nos vide-greniers, nos marchés nocturnes qui attirent énormément de touristes, également les fêtes de Noël qui ont encore cette année très bien marché. Ah oui, coupable! Bon, on pourrait ne pas s'en douter, mais Tarascon est vraiment bien situé sur un axe routier où 14 500 voitures passent par jour, au carrefour des vallées. C'est entre une grande métropole comme Toulouse et l'Andorre. C'est forcément un axe sur lequel il fallait s'implanter. C'est pour ça que je n'ai pas hésité à me mettre à cet endroit-là pour développer mon commerce d'épicerie fine et restaurant. Oui, coupable. Regardez-nous dans ce local. Tarascon accueille 4 associations. Il y a le Secours catholique, le Resto du Cœur et la Croix-Rouge. Et on accueille 120 familles par semaine. Par semaine, 120 familles. Et que ça vienne dans toutes les Hautes-Ariège. Et oui, Tarascon, elle est coupable. Dans ce domaine, elle est coupable. Là encore, je pense que Tarascon est coupable, coupable de son dynamisme, et à juste titre, la Maison des Jeunes et de la Culture de Tarascon, qui œuvre depuis 40 ans dans le champ de l'éducation populaire, se rend complice de ce dynamisme, aux côtés des 70 autres associations de la commune. Oui, complice, la MJC, vous rendez-vous compte? À elle seule, plus de 700 adhérents de tous âges, enfants, jeunes, adultes, intergénérationnels, c'est son credo. La MJC de Tarascon, 1600 m² d'espace d'équipement dédié à l'ensemble de la population. Un espace qu'il faut équiper, qu'il faut entretenir, qu'il faut nettoyer, qu'il faut éclairer, qu'il faut chauffer. Enfin, quel travail! Bien sûr, si Tarascon doit être condamné, c'est bien pour son dynamisme. La MJC de Tarascon, c'est 40 clubs d'activité, 110 heures d'animation hebdomadaire, plus de 3800 heures d'animation l'année. C'est 50 bénévoles,
14 vacataires, c'est des actions en direction des jeunes, du soutien à la scolarité. Alors oui, oui, Tarascon, coupable, coupable de permettre à des associations comme la MJC d'exceller dans ce qu'elles font. Tarascon est coupable. Cette ville propose à sa population des animations presque tous les jours, tout au long de l'année. Elle met également à disposition des outils magnifiques comme l'espace senior où nous sommes aujourd'hui. Coupable, Tarascon est coupable. Coupable d'avoir une MJC, coupable d'avoir une maison je crois que c'est une salle des aînés, non ? Coupable d'avoir des associations, coupable d'avoir tout ce qu'il faut pour bien vivre. Je me suis amusée hier soir encore, je suis encore sortie. Oh, c'était génial. Tu es encore allée traîner? Oh, ben oui, non. Mais non, je suis allée au cinéma, tu sais pas qu'ils ont la 3D maintenant. Oh, c'est trop génial la 3D. T'as des trucs qui sortent de l'écran comme ça, ça fait... Ah, oh, c'est trop... C'est un peu... Le cinéma, ce n'est pas de la culture. Oh, mais n'importe quoi. Oh, tu sais pas... 2013, c'est génial. 2013, c'est encore mieux que 2012. Ah, on va trop s'éclater, ma cocotte. Il y a des trucs tous les soirs. Oh, c'est trop bien. Oui, coupable. Que ce soit tout au long de l'année. Moi, par exemple, je joue au rugby. Et on a la chance de bénéficier d'un stade avec des infrastructures, je dirais, parfaites. Parce qu'on bénéficie déjà d'un bon stade. Et plus un clubhouse, ce qui nous permet de nous réunir. Et puis, quand arrivent les beaux jours aussi, avec la foire, le festival latino et des manifestations qui sont pour la plupart du temps gratuites, on peut dire que Tarascon, c'est une ville où c'est qu'on ne s'ennuie pas. Oui, coupable, étonnant. Étonnant parce qu'on ne se doutait pas de ça. Et puis quand on arrive, on se rend compte qu'il y a plein de services, qu'il y a des animations constantes, qu'il y a un cinéma exceptionnel, qu'il y a tout ce qu'il faut d'une grande ville, plus la nature et l'environnement. C'est génial. Oui, coupable, parce que c'est une ville qui n'est pas très grande, avec 3500 habitants, mais où on peut avoir énormément d'activités. On peut se tourner vers le sportif, vers le culturel. Et dans le culturel, il y a beaucoup de choses. Vous avez de la lecture, vous avez le cinéma. Et à cette occasion, nous avons une très très belle salle où nous sommes actuellement, qui utilise des lunettes un petit peu bizarres, mais ce sont des lunettes pour des films en 3D. Donc, ça nous permet de voir énormément de films, les dernières sorties, et de pouvoir bénéficier de bonnes choses au niveau du cinéma. Je peux vous en parler parce que je suis une adepte et je viens assez souvent. D'autre part, nous avons aussi un bon salon du livre où nous recevons beaucoup d'auteurs, beaucoup d'éditeurs et qui se passe l'été. Et après, il y a la fête de Tarascon, avec le bal et tout. On va danser, on va galancher. C'est alors... une catastrophe. Oh, mais tu devrais apprendre à Tino à danser. Hein. Ça te ferait pas de mal. Hein. Faut se décoincer un peu, cocotte. Hein. Hein. Et tu sais ce qu'il faut pour décoincer, ma poulette? Il faut venir au cabaret de FGG. Alors là, c'est en février, c'est pour la Saint-Valentin. Ils font un cabaret coquin. Bon, Tarascon est accusé d'être une ville dynamique. Oh, mais ça, c'est quelque chose qui me fait bien rire parce que je suis au conseil d'administration de la MJC, conseil d'administration du club des aînés, ce qui représente à peu près 1100 personnes, sinon plus cette année, en tant qu'adhérent, ce qui représente un pourcentage énorme par rapport au nombre d'habitants à Tarascon. Et toutes les activités qui sont proposées,
pratiquement tout le monde y trouve son compte. Alors vraiment, dire que Tarascon n'est pas une ville dynamique, je pense que c'est une absurdité. D'autant plus que je dirais que c'est peut-être vrai, oui, c'est peut-être vrai, Tarascon n'est pas une ville dynamique. Peut-être que le mot n'est pas juste. Moi, je dirais que c'est une ville extrêmement dynamique. Alors, on voit, à l'écoute de tous ces témoignages, que le dossier est très lourd. Mais enfin, un témoignage, c'est l'aspect humain de l'affaire. Donc, j'ai demandé à notre expert, à Bertrand Excelward, de faire un peu le point objectif et scientifique sur cette affaire de Tarascon. Bertrand, est-ce qu'il y a vraiment des éléments à charge importants ? Effectivement, Christophe, il y a beaucoup d'éléments à charge qui pèsent sur la ville de Tarascon. Si vous permettez quelques chiffres pour illustrer. Des infrastructures sportives, deux stades avec leurs équipements et leurs dépendances, vestiaires, clubhouse, tribunes, etc. Une piscine couverte, deux gymnases, un dojo, deux cours de tennis, un boulodrome avec son espace couvert extérieur. Des espaces socio-éducatifs, culturels et de loisirs. Deux écoles, un collège, un espace loisirs seniors, une crèche, une maison des jeunes et de la culture, un centre culturel comprenant une bibliothèque et un cinéma, et également un centre d'accueil dévolu au service de restauration scolaire, à la réception de groupes et l'accompagnement d'événements festifs. Deux exemples pour illustrer. L'activité de la piscine municipale. Je prendrai juste le temps scolaire. Environ 200 jours par an. Ce sont 42 000 baigneurs accueillis. Soit en moyenne 200 baigneurs jour. Un autre chiffre, Christophe. Le centre d'accueil autour de l'activité restauration scolaire. 21 000 repas. 600 repas semaine. 150 repas jour en moyenne. Avec des pics de 170 repas parfois. Donc rien que ces chiffres, Christophe, nous montrent un petit peu tous les éléments qui pèsent à charge de cette... Oui, c'est vrai que le dossier semble accablant et sur le dossier, sur l'aspect, je dirais, plutôt festif, animation, culturel, les éléments à charge sont importants également. Tout à fait, Christophe. Donc ici, vous voyez, donc, quelques résultats d'activité, un comparatif entre l'année 2011 et l'année 2012, 380 donc manifestations en cumul contre 271 en 2011. Et donc ici, le dernier graphique, Christophe, nous montre très clairement donc le récapitulatif de ces trois graphiques où effectivement donc la situation me paraît claire et sans ambiguïté. Donc oui, Christophe, je vous confirme, si vous permettez l'expression, que cette hérétique des temps modernes mérite sans nul doute d'être clouée au pilori pour l'ensemble de ses exactions. Voilà mon avis, Christophe. Très bien, ben, je vous remercie et on va ajouter votre analyse au dossier de Tarascon. Exceptionnel réalisé par nos équipes au cœur de la population tarasconnaise, le dossier était lourd, trop lourd. Tarascon sera condamné en premier instant, puis en appel, à demeurer l'étape incontournable au carrefour des vallées.
Déjeuner, d'avoir Tarascon est accusé d'être une ville de service, qu'en pensez-vous? Oui, Tarascon est coupable. On trouve à Tarascon tous les services qui peuvent rendre C'est inscrit sur le blason de Tarascon comme une menace. Malgré tout cela, il nous reste quand même Non, j'y arrive pas. Ça va pour le moment? Pas surtout, en début d'année, le cabaret de Festival. Avec, alors là, tu peux nous... T'as vu? C'est Luc Béton. Je le reconnais. T'es sûr? Oui. Oh. Non, je ne crois pas. Je le croyais plus jeune. Luc Béton. Je le croyais plus gros. Et peut-être moins frisé. Red barbe. Non. Je crois qu'ils vont refaire le salon du livre. Toi, tu peux faire le salon du livre. C'est négatif pour le salon du livre. Mais écoute, tu veux. Attends,